We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome to the main session. Bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en salle plénière, nous allons parler de coopération multilatérale par rapport au réseau politique. Sonia, est-ce que vous nous entendez? Le problème, c'est que sur Zoom, on n'entend pas ce qui se passe chez vous. Est-ce que vous m'entendez? Vous et moi, vous ne m'entendez pas. Vous n'entendez pas la plénière, c'est ça? Nous, on entend Zoom, en tout cas. Est-ce que l'équipe technique pourrait venir nous aider? Ma co-modératrice est en ligne. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Est-ce que tous ceux qui sont connectés sur Internet nous entendent? Sylvia? Tout le monde confirme. Très bien. Je vais donc recommencer. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette session principale consacrée à la coopération multilatérale, accès à Internet. Je m'appelle Sonia George, je suis directrice de l'organisation de l'Alliance, une alliance qui s'occupe de l'accessibilité d'Internet. Je représente précisément la Web Foundation et je serai la co-modératrice de cette discussion. Je suis content que nous soyons aussi nombreux à participer à cette discussion. Je sais qu'il y a aussi des gens qui sont connectés avec nous, mais via Internet. Nous allons donc parler des activités de notre groupe de travail pour ce qui est de l'accès universel à Internet. C'est extrêmement important puisque nous expliquerons en quoi consiste l'accès véritable. Nous aurons ensuite l'intervention de deux spécialistes, Henriette Esterhuizen ainsi que Marielsa Oliviere, qui est ici avec moi et qui représente l'UNESCO. Nous aurons ensuite assez de temps, j'espère, pour échanger quelques opinions sur les sujets principaux sur lesquels se concentre notre organisation. Et puis pour terminer, un résumé de la part de Madame Zoun. Sonia va m'aider, elle est ma co-modératrice. Nous essaierons ensemble de guider la discussion. J'espère qu'Internet coopérera avec nous et que tout se passera bien de manière à ce que tout le monde puisse participer au débat, que vous soyez ici à Katowice ou quelque part ailleurs dans le monde. Réfléchissons donc ensemble à l'existence ou non d'un accès universel à Internet. Avant de passer à la discussion, je voudrais éclaircir une chose, c'est que notre réseau a été créé de manière à rendre possible des discussions sur le sujet primordial qu'est l'inclusion numérique, l'inclusion des peuples du monde entier. Je voudrais ici évoquer le problème qu'est la criante inégalité en la matière. On a un véritable gouffre numérique, notamment avec ce qu'on appelle d'une manière très générale le Sud, les pays du Sud. Il y a trois ingrédients principaux pour ce qui est l'accès. L'accès à Internet doit être accessible financièrement. Ensuite, il y a la connectivité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit abordable, mais aussi que ça fonctionne bien. Et puis, troisième élément, le milieu social, un milieu social qui permette effectivement d'avoir accès à Internet et de s'en servir. Concentrons-nous principalement sur le premier élément, à savoir le prix. Faire en sorte que Internet soit à un prix abordable. Nous voulons que l'accès à Internet soit réel. Donc ça demande aussi des infrastructures qui vont permettre un tel accès. Et pour ce qui est du milieu social, qu'est-ce qu'on a à l'esprit quand on dit ça? Il s'agit du potentiel, il s'agit de la langue, il s'agit des connaissances,
des compétences pratiques utiles, nécessaires pour que chacun puisse utiliser effectivement un accès à Internet et une connectivité numérique réelle. J'éclaircis tout cela en début de session parce que pour nous, un véritable accès à Internet, c'est un outil grâce auquel chacun va pouvoir utiliser pleinement le formidable outil qu'est Internet. Donc quand on a un véritable accès à Internet, on peut effectivement tirer pleinement profit du réseau, de la toile. C'est pour ça que nous avons créé ce réseau pour une politique d'accès réel. Tel est notre but. Notre but est aussi autour de l'analyse de zones qui sont demeurées trop longtemps marginales, en marge de nos discussions. Aujourd'hui, pendant cette session, nous écouterons quelques personnes spécialisées dans divers aspects de l'accès réel à Internet, même si on sait que beaucoup de travaux sont menés par l'envoyé spécial du secrétariat aux affaires technologiques, qui s'occupe aussi de divers aspects. D'ailleurs, certains d'entre nous, ne serait-ce que l'organisation que je représente, coopère avec l'ITU et s'occupe de questions liées à l'abordabilité d'Internet. Mais pour ce qui est de notre réseau pour une politique d'accès véritable à Internet, nous avons remarqué qu'il y avait encore des lacunes qu'il va nous falloir combler de manière à assurer un accès véritable à Internet pour tous. Je remercierai ici tous les membres de notre réseau pour un accès réel à Internet, ainsi que tous les partenaires qui ont rendu possible le bon déroulement de notre travail, notamment ces dernières semaines. J'espère que cette coopération continuera l'année prochaine. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance pour l'apport qui a été apporté par diverses parties prenantes, de diverses manières d'ailleurs. Des rapports ont été présentés qui ont participé aussi à notre travail et qui ont redynamisé les discussions qui se tiennent autour de ces sujets. Je remercie l'AICAN, je remercie l'UNESCO, je remercie l'ITU et notamment l'envoyé spécial aux affaires techniques, ainsi que d'autres organisations dont le soutien a été particulièrement précieux. Merci à tous. Avant de passer à la suite, je voudrais maintenant vous présenter deux intervenants. La première intervenante n'étant autre que Henriette Asterhuizen, qui est du MAG, n'est-ce pas? Elle est la présidente du MAG. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Nous nous connaissons depuis des années. Je n'ai plus à vous présenter, ni même à souligner le fait que vous œuvriez au jour le jour à l'inclusivité d'Internet au jour le jour. Mais parlez-nous un peu de votre rôle au sein du MAG et du rôle du MAG lui-même pour ce qui est du travail visant à créer, à jeter les bases d'un véritable accès à Internet pour tous. Alors, on s'est rencontrés en 96, très exactement, ou en 97, à Pretoria Town. Je m'en souviens très bien, mais je n'entrerai pas dans les détails, je ne voudrais pas trop en dire sur notre âge, et puis je voudrais parler un peu d'avenir plus que de passé aujourd'hui, mais il est vrai que un accès véritable à Internet, c'est un sujet que l'on soulève lors des IGF depuis le début de l'existence des IGF. Le sommet mondial de la société de l'information a été organisé justement pour augmenter l'inclusivité d'Internet. Les temps ont changé, mais l'exclusion ou la non-inclusion est quelque chose qui reste avec nous. Il y a toujours, encore et toujours aujourd'hui, des gens qui n'ont pas accès à Internet et il est important donc d'en faire ne serait-ce que le constat. La route sera encore longue. Mais la politique d'accès réel peut non seulement se concentrer sur ce qu'il faut faire, parce que je pense que dans une large mesure, on sait ce de quoi on a besoin. On sait ce qui nous manque. Nous avons besoin d'une approche dynamique de la réglementation. On a besoin
On a besoin d'agir au niveau de, on a besoin de plus de décisions au niveau local, au niveau régional. On a besoin de connecter à Internet. On a besoin de ne pas surréglementer. Ça, on le sait. On a besoin de solutions nationales. Je regarde un peu les participants du débat. Je sais qu'il y en a qui, parmi vous, qui ont déjà mis au point des solutions concrètes au niveau national et qui permettent un véritable accès. Donc nous savons ce qu'il faut faire. Ce ne sont pas ces connaissances-là qui nous manquent. Maintenant, sur quoi il faudrait réfléchir, c'est aux raisons pour lesquelles les solutions que nous avons déjà définies ne sont pas mises en application, parce qu'on sait que sur le papier, on a les solutions. Simplement, elles ne sont pas suffisamment appliquées. Donc, il doit y avoir des obstacles sur la route, des barrières. Et c'est ça qu'il faut le problème à régler. Regardons par exemple ce qui se passe au Kenya ou au Brésil. On a des organes législateurs, entre autres au Brésil par exemple, qui délivrent des licences pour permettre d'utiliser telle ou telle fréquence. On sait que le législateur au Mexique ou en Argentine a aussi introduit ce type d'outils. On sait qu'il y a des innovations, on sait que des choses sont faites ici et là, mais pour ce qui est des politiques d'accès réel, il est vrai qu'on pourrait encore faire plus, que ça pourrait aider à communiquer avec les récepteurs, avec les usagers, pour voir ce qui pourrait être fait encore. Et puis, il nous faut répondre à la question qui est pourquoi ces solutions ne sont pas appliquées. Quels sont les obstacles? Les obstacles sont de quelle nature? De nature financière? Est-ce qu'il s'agit d'intérêts de certains groupes qui seraient mis à mal, en porte-à-faux, et pourquoi? Ce qui signifierait que certains nous mettent des bâtons dans les roues, je ne sais pas. Je suis content d'avoir une représentante de l'UNESCO parmi nous aujourd'hui, parce que l'UNESCO a préparé un ensemble d'indices, d'indicateurs, non d'indices, qui nous permet d'identifier les étranglements. Merci beaucoup. Nous touchons en fait du bout du doigt la quintessence, la substantifique moelle du sujet. Nous allons parler de la manière dont la politique d'accès réel à Internet nous a permis de voir qu'il fallait nous concentrer sur trois domaines d'intérêt principaux. Nous avons considéré que ces domaines d'intérêt étaient importants parce qu'ils peuvent nous permettre de combler les lacunes pour ce qui est des mesures nécessaires. Je pense qu'on est d'accord pour savoir ce qu'il faut faire, mais la réalité, c'est que ce qu'il nous manque, c'est un RAM commun qui nous permettrait de remarquer, de déterminer ce qu'il faut partout. On a besoin de consignes concrètes autour de cet accès réel. Je pense que de nombreux participants de notre réseau, la majorité est active. Maria, par exemple, de l'UNESCO, comme je l'ai dit, l'UNESCO a mis au point un ensemble d'indices qui nous permettent d'avoir des données fiables, des données tangibles, des chiffres, grâce à quoi on peut répondre à des questions difficiles, des questions concernant les langues, les contenus, les connaissances et d'autres éléments qui vont nous servir de point de départ, grâce à quoi on va pouvoir faire des comparaisons. Et ça c'est utile pour les gouvernements nationaux. Maria, nous sommes très contents que vous soyez de vous compter parmi nous. Votre présentation, on l'a entendue lors du forum de l'IGF, était particulièrement intéressante. J'espère que vous-même ainsi que votre équipe pourront nous parler un peu plus avant de ce que fait l'UNESCO concernant les indices que vous avez mis au point. Merci beaucoup, Sonia. Merci. Merci, Henriette. Je suis heureuse de pouvoir être ici avec vous, avec autant de spécialistes de l'accès véritable. Notre activité est extrêmement importante et significative. Je voudrais mentionner ce que sont les normes de Rome, le cadre de Rome. Diapositive, s'il vous plaît. Merci. Je vois que les diapositives sont affichées. Excellent. Alors, très brièvement, ce que fait l'UNESCO avec le cadre ROAM, R-O-A-M,
Il s'agit d'échanger des idées, des notions, des conceptions en utilisant les mots, mais en utilisant aussi les images. Il s'agit ici de permettre un flux libre d'idées et non seulement de marchandises et de services. C'est très important, mais vous savez, un marché mondial, c'est ça. Il faut qu'on ait une libre circulation des marchandises, des services et aussi des idées. C'est l'idée d'Internet depuis le début. On sait qu'il y a effectivement un gouffre en notre bas monde pour ce qui est de l'accès au contenu numérique. Lequel gouffre a eu au départ un caractère structurel. C'est en tout cas comme ça qu'on voyait les choses. On ne se demandait pas comment faire pour que l'accès soit réel et pour garantir à chacun la possibilité de consulter des contenus sur Internet. Ainsi, nous voyons ici la question de l'inclusion, mais aussi celle de la connectivité. Via la connectivité aux infrastructures, il s'agit en fait de la possibilité de tirer de véritables bénéfices du fait d'être en contact avec, d'être exposé à des contenus numériques. Nous soulignons la protection des droits de l'homme, la liberté d'expression, mais aussi l'accès aux informations. Donc Internet devrait nous rendre tout ceci possible. Il devrait aussi nous rapprocher des objectifs de développement durable. Nous devrions avant tout, il me semble, regarder de près de quelle manière nous pouvons comparer les données qui nous permettent une mesure concrète de choses qui se passent sur Internet et de quelle manière nous pouvons collecter les preuves sur lesquelles nous pouvons reposer dans la création des politiques. Maintenant, je vais me référer au cadre de Rome. Le cadre concernait les essais, les analyses. Nous avons analysé le grand groupe de parties intéressées. Nous avons réfléchi sur les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir utiliser Internet de manière avec de la valeur ajoutée. Hein. La phase 2 concernait le mesurage des données collectées pour nous assurer que nous allons dans la bonne direction et pour créer les bonnes politiques. Étape 3 concernait les programmes pilotes et la vérification du cadre pour que nous puissions nous dire que ce cadre Rome, ce cadre a été créé à base d'un grand processus de consultation. Henri était particulièrement impliqué dans ces aspects à Rome. Et nous pouvons dire que ici, dans le cadre de ce système, nous avons collecté 303 différents indicateurs divisés en 5 catégories. Il y a des catégories comme les droits humains, les droits de l'homme, l'ouverture, l'accessibilité et autres. Tout cela nous permet de bien comprendre le contexte dans lequel les gens utilisent l'écosystème numérique pour nous assurer si cet écosystème repose réellement sur les droits de l'homme et permet un accès de toutes parts à ces ressources. Nous voyons les indicateurs, il y en a pas mal. Selon nous, beaucoup de choses dépendent, par exemple, de quelle est la population d'un pays donné, quelles sont les capacités d'investissement. Et c'est ce que nous prenons en compte dans nos indicateurs. Donc, nous avons élaboré, divisé en 5 catégories, nous les voyons, les droits, l'ouverture, l'accessibilité à tous, l'articulation de parties intéressées différentes. Donc, maintenant, je vais vous montrer un de ces groupes seulement. En ce qui concerne les droits, quels sont les indicateurs ici? Premièrement, nous regardons si dans le pays donné, il existe un cadre lié avec le respect des droits de l'homme dans un pays concret ou sur un territoire. Donc, peu importe si nous parlons d'un monde réel ou d'un monde en ligne, il s'agit de l'existence de certains cadres qui protègent les droits de l'homme à un endroit donné. Ensuite, nous passons à des questions plus détaillées concernant les droits de l'homme dans le contexte d'Internet. Par exemple, la liberté d'expression, l'accès aux informations, le droit
de ce groupe est le droit à la vie privée et l'utilisation des droits socioculturels. Nous regardons une catégorie suivante, mettons l'ouverture. Est-ce que le pays donné a un marché ouvert? Est-ce que les contenus sont offerts de manière accessible? Et peut-on les aussi les transférer de manière avec de la valeur? Alors ensuite, donc, regardons s'il y a un cadre réglementaire qui parle d'accessibilité, qui assure l'accès à tout le monde. S'il y a une connectivité qui est suffisamment bon marché pour que tout le monde puisse se le permettre, et pour vérifier si personne n'est laissé de côté dans ce contexte. Regardons aussi si les contenus sur Internet sont accessibles dans les langues locales. Souvenons-nous que dans le monde entier, il y a plus de 7000 langues, mais sur Internet, activement, nous utilisons à peine 300 langues. C'est moins de 300 en vérité. Donc nous devons réfléchir si les gens, les utilisateurs, les usagers peuvent bénéficier des contenus qu'ils trouvent sur Internet. Donc ce sont ces éléments qui, d'après nous, sont indispensables. En ce qui concerne notre implication et l'élaboration d'indicateurs international. Est-ce qu'il y a un mécanisme de gestion d'Internet au niveau local qui représente aussi des normes internationales? Parfois, nous voulons aussi réfléchir si l'Internet est un espace qui est sûr pour les enfants, qui promeut l'égalité des sexes, si c'est un espace qui promeut le développement durable, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et est-ce que les questions éthiques sont aussi objet de débat? Savons-nous assez au sujet de la désinformation sur Internet? Avons-nous déjà des outils de lutte contre la désinformation, contre l'extrémisme et le langage de la haine? Ce sont les éléments sur lesquels nous nous penchons. Et maintenant, j'aimerais encore demander à ma collègue de continuer notre présentation. Merci. Grand merci. Et à notre modératrice de nous avoir permis de faire cette présentation aussi volumineuse. Je voulais aussi remercier à vous tous présents ici, ainsi qu'aux participants en ligne. Les indicateurs UNESCO dans le cadre de Rome X. UNESCO Rome X sont le résultat du travail de toute la communauté ICF. Et nous nous penchons dessus depuis 15 ans, on peut dire. Une autre valeur de cet outil consiste dans le fait que c'est un effort continu qui a pour objectif d'évaluer ce qui se passe dans le secteur privé, mais aussi au niveau des administrations publiques. Nous essayons de faire une évaluation très large de ce qui se passe dans l'espace Internet, de manière à ce que ces biens numériques soient bénéficiaires pour nous tous, bénéfiques pour nous tous. Alors j'aimerais commencer ici par une stratégie qui est orientée vers la transformation numérique. Chaque pays devrait effectuer un premier pas pour l'évaluation de ce qui se passe dans l'espace numérique. Je pense qu'au niveau national, nous avons vraiment besoin d'une évaluation très large qui va dans la direction de la transformation numérique. Et par exemple, l'un des rapports que j'aimerais vous montrer, c'est un rapport allemand. J'ai sur moi une copie de ce rapport. Alors, ils ont évalué 109 indicateurs pour vérifier à quelle étape sont les Allemands en matière de mise en place d'un écosystème numérique. C'est l'un des pays leaders, on peut dire, en ce qui concerne la gestion de la transformation numérique. Je vous recommande
de visiter notre site internet. Vous pouvez télécharger ce rapport publié et d'autres informations aussi concernant 34 États sur 5 continents différents. Ça vaut la peine d'en lire plus. Cette diapo montre que malgré la pandémie de COVID-19, notre conseil multipartite se débrouille bien en continuant les travaux relatifs à l'évaluation de l'espace numérique. Encore une diapo que j'aime beaucoup, parce qu'elle montre beaucoup vraiment les ateliers multilatéraux qui ont eu lieu au Sénégal, au Bénin, en Uruguay, en Équateur et au Paraguay. Nous faisons de notre mieux souvent pour que les organisations qui sont actives dans le cadre du forum IGF soient présentes aussi au niveau local, que nous puissions de manière très tangible parler de nos nouvelles recommandations. Je sais que je manque de temps déjà, il se termine, mais je vous dirais juste que Internet et la diversité, c'est des concepts qui sortent en dehors de l'espace Internet. Donc nous parlons de nouvelles politiques numériques, nous parlons de nouvelles recommandations concernant les mécanismes de l'intelligence artificielle, et je vous invite chaleureusement de nous rejoindre pendant la réunion concernant les coalitions dynamiques. C'était à 9h30 dans la pièce numéro 8. Oui, merci. Il est fantastique de vous d'observer votre travail. Et j'aimerais réellement vous inviter à rester avec nous ici pendant la session suivante qui aura lieu ici en plénière, dans la salle plénière. Nous parlerons de la. Des langues multiples, des contenus accessibles dans des langues différentes. Et nous parlerons aussi de l'accès réel. C'est pour cela que je vous invite à rester avec nous. Et moi, je remercie à nos intervenants pour ces introductions. Restez avec nous. Il y aura des questions plus tard. Maintenant, je passe à Sylvie Cadena, qui est co-modératrice de cette session. Sylvia, parle-nous pour qu'on soit sûr que l'on t'entend. Bonjour. Nous t'entendons. On pourrait t'entendre un peu mieux. Ça, c'est quelque chose que j'adresse à l'équipe technique. Oui, bonjour d'Australie. Je suis heureuse que pendant la première partie de notre rencontre, nous avons entendu Mme Westerhuizen et Henriette Westerhuizen et Mariette Sa. Je suis Sylvia Cadena, je travaille dans le cadre de l'APNIC, dans la fondation qui a son siège en Australie. J'aimerais beaucoup être avec vous à Katowice, mais j'espère qu'un jour ça sera, que ça arrivera un jour. Quoi qu'il en soit, il est bien de pouvoir communiquer, du moins en ligne, dans le cadre de l'IGF. Donc, grand merci, Henriette, pour ces remarques d'introduction très précieuses. Je suis heureuse que les deux dames ont souligné la nécessité de chercher des dominateurs communs d'une plateforme d'entente et de nouvelles formes de meilleure compréhension. Comment nos efforts se traduisent en résultats réels et tangibles grâce à l'évaluation des indicateurs identifiés. Il est bien de pouvoir mesurer l'efficacité de nos efforts. Après ces remarques d'introduction, suivront les parties suivantes de notre discussion. Nous sommes rejoints par de nouveaux intervenants, certains en ligne et certains présents ici au centre de congrès à Katowice. J'espère que nous réussirons à tout organiser parce que les questions techniques. Ma première question est dirigée vers toi, Henriette, car je sais que tu vas devoir nous quitter bientôt. Tu as mentionné qu'il était important d'être conscient de ce que nous ne savons pas encore. Tu l'as souligné, nous devons
entreprendre des efforts pour identifier les barrières structurelles, pour que nous puissions, sachions quelles sont les lacunes, les manques dans notre processus d'amélioration de l'accessibilité Internet, que nous sachions qu'est-ce qui nous manque encore. Il est vrai que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les services en ligne, parce que de nombreuses personnes ne sont toujours pas connectées à Internet. Donc ma question serait la suivante. En basant sur ton expérience, en se référant aux discussions qui ont lieu ici dans le cadre de l'IGF, quelles sont tes réflexions sur les barrières structurelles? Qu'est-ce qu'on a appris jusque-là? Merci. La grande surprise, je ne m'attendais pas à être la première à devoir répondre. Je soulignerais volontiers deux questions importantes, les plus difficiles. En effet, un accès inégal est enraciné dans les inégalités économiques. Et cette inégalité de caractère structurel plus général, fondamental, mène à une exclusion numérique. Donc nous pouvons parler d'un certain paradoxe numérique, parce que maintenant nous avons besoin de téléphones numériques pour télécharger, mettons, des applications ou des logiciels de valeur. Si vous n'avez pas de tel téléphone, vous ne pouvez pas avoir accès à ces applications mobiles. Pendant la pandémie du Covid, nous sommes rendus compte que Internet permettait l'accès à l'éducation, mais ceux qui n'ont pas accès aux ordinateurs et à Internet n'ont pas accès à l'éducation. Donc, plus rapide sera le progrès technologique, plus les différences entre les régions développées et sous-développées sont grandes. On pourrait croire que le progrès ferait que le futur serait de moins en moins onéreux. Mais ça n'est pas le cas. Mais je pense que la communauté mondiale ne fait pas suffisamment pour reconnaître qu'il n'y a pas une seule solution à ce problème. Avec ce qui se passe dans le monde maintenant, je veux dire un développement très rapide des technologies mobiles. C'est un développement qui est résumé par un narratif comme quoi nous avons un accès progressivement meilleur aux applications mobiles, mais ça n'est pas le cas. En vérité, on voit que de nombreux décideurs ont fait confiance à ce narratif et ont cessé d'approcher la chose de manière critique. Maintenant, nous voyons qu'il n'est pas vrai qu'un nombre croissant d'utilisateurs de téléphones cellulaires mène à un meilleur accès à Internet. Souvenons-nous que nous parlons ici d'un écosystème numérique, notamment des réseaux sociaux qui font partie de l'écosystème. Les réseaux communaux, les réseaux télévilles, les réseaux des écoles. Souvenons-nous que l'accès, c'est une question qui concerne directement des personnes concrètes. Et pour que les différentes personnes puissent utiliser Internet, il faut qu'on leur garantisse l'accès à un écosystème très complexe de solutions numériques. Et il me semble que maintenant, les institutions de régulation et les institutions financières doivent s'impliquer plus pour que cet accès soit réel et universel. Mais ça doit être un système très complexe. Donc, le secteur privé doit être impliqué, le secteur public aussi, les écoles, les bibliothèques. Toutes ces institutions doivent devenir part de la solution. Je pense que c'est ça, c'est notre problème, parce que les gens aiment les solutions simples. Ils peuvent être simples, mais ils ne sont pas toujours. Ils peuvent être simples, mais d'abord, il faut que l'on comprenne la complexité de toute la situation. Merci beaucoup.
C'est une bonne introduction à ma question suivante, à Marieza. Je sais qu'il y a une question de l'un de nos hubs virtuels, mais je vais d'abord donner la parole à Marie-Elsa. En réaction à ce qui a été dit par Henriette Oesterhuizen, qui mentionnait la complexité de l'écosystème, je voudrais vous demander le réseau d'indices ROAM, dont le but est de mesurer l'accès réel à Internet. Finalement, c'est quelles sont vos expériences par rapport à cela pour ce qui est justement de la mise au point d'indices ROAM. Les indices ont été mis au point au niveau de l'UNESCO, n'est-ce pas? Donc, quelles seraient vos conclusions après avoir coopéré avec les diverses organisations? Quel est votre stade de développement? C'est une très bonne question. Je vous remercie d'avoir posé. Mon avis est que on ne fait pas encore de mesures véritablement diverses, suffisamment diverses. En réalité, nous efforçons de regarder quelle est la diversité du milieu numérique et la diversité des gens qui peuvent avoir recours à l'espace numérique. Nous avons commencé par nous concentrer sur l'accès et pas l'accès véritable. Maintenant, on a été plus loin, on parle d'accès véritable. Au départ, on parlait d'accès tout court. Il s'agissait d'augmenter le nombre de gens connectés à Internet. Le nombre de gens pouvant fonctionner en ligne. Au début, c'était très homogène, le groupe de personnes qu'on avait. C'était des représentants des classes sociales supérieures ou des classes moyennes, des gens plutôt diplômés, des gens qui connaissaient les langues étrangères, ne serait-ce que l'anglais, et qui pouvaient effectivement fonctionner, évoluer dans cet écosystème. Ensuite, on a commencé à se demander comment on pourrait faire pour que l'espace numérique soit plus divers, que ce soit une grande famille humaine avec des gens de tous les âges et de tous les portefeuilles pour que effectivement les contenus soient significatifs pour des gens où qu'ils habitent de par le monde, mais aussi où qu'ils habitent en termes de quartier, si vous voulez. Donc on a commencé à comprendre que si on voulait effectivement que les gens utilisent ce trésor d'informations, cette ressource incroyable qui est Internet, si on voulait que les gens aient accès à ces ressources, si on voulait vraiment créer une société basée sur le savoir, eh bien, il nous faudrait faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Et c'est là qu'on en est arrivé à la conclusion que les femmes, par exemple, ne jouissaient pas d'un même accès à Internet. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus rarement ingénieures, elles sont plus rarement techniciennes, etc., etc. Donc c'est ça qu'on suit. Toute la diversité de cette famille qu'est l'humanité. Merci beaucoup. Très positif. Un commentaire très positif, ma foi. On peut dire que tu nous as expliqué en quoi consistait la dichotomie, en fait, entre l'approche simplificatrice et toute la complexité de l'image. Je m'attends de la parole à quelqu'un qui voulait prendre la parole et qui est connecté, il me semble. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci beaucoup. Je voudrais pour commencer vous remercier pour ce colloque, un colloque très intéressant. Merci à toutes les participantes pour leurs remarques pertinentes, précieuses. Notre priorité est toujours d'atteindre les objectifs de développement durable. Mais la question que je me pose, c'est comment on pourrait faire en sorte d'améliorer l'accès véritable à Internet dans les zones du monde les plus reculées et comment faire en sorte qu'Internet soit plus sûr pour les enfants et la jeunesse. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses répréhensibles sur Internet, des phénomènes tels que le phishing, par exemple. PH. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
deux questions. Nous accusons un certain retard, donc il va falloir qu'on accélère un peu. Je serai donc bref. C'est une très bonne question pour commencer. Et nous tenons effectivement à améliorer l'accès à Internet dans les zones du monde les plus reculées. Alors je pense aux campagnes, je pense aux, à des zones reculées pour diverses raisons. Mais l'égalité, Maria en a parlé aussi, Marietta en a parlé aussi, ce sont effectivement des dimensions qui demandent à être évaluées dans le cadre de, d'indicateurs, d'indices tels que ce qu'on a avec ROAM. On évalue l'accès à Internet d'un point de vue technique, mais bientôt, notre premier rapport mondial concernant la connectivité réelle montrera quelles sont les lacunes techniques qui constituent autant d'obstacles à un véritable accès à Internet. Donc suivez les informations parce que ce rapport devrait apparaître bientôt. Je voulais rappeler la chose parce que c'est effectivement c'est une mission extrêmement importante. Nous voudrions faire une mesure réelle, pas parce que nous ne savons pas quelle est la situation, nous savons quelle est la réalité. Nous savons que les zones rurales, les zones les plus reculées ne sont défavorisées, c'est évident. Mais nous voudrions nous demander s'il serait possible de mettre au point une solution sur la base de réseaux sociaux avec quelque chose qui aurait peut-être un caractère public et qui nous permettrait de mettre en application des activités législatives, c'est-à-dire la création de règles pour changer cet état de choses. Nous avons créé ces indices, nous sommes basés sur un ensemble, nous basons nos travaux sur un ensemble d'indices qui vont de manière à ce que les décisions prises plus tard, pas par nous, mais par les législateurs, soient éclairées. Nous avons donc créé ce type de cadre. Il ne faut pas que ça concerne que le Kenya, le Mexique ou le Brésil. Il faut que ça puisse mettre en application au Bangladesh ou n'importe où dans le monde, partout où la société demande des réseaux locaux. Nous réfléchissons donc aux alternatives possibles, aux solutions de remplacement, aux mécanismes qui pourraient faire en sorte qu'on ait un véritable accès à Internet. Je pense que c'est une des missions les plus critiques qui nous attendent. J'espère avoir répondu à votre question et vous donne maintenant la parole. Dans la question, il me semble que vous aviez parlé du phishing, c'est ça, hein? Vous avez parlé de phishing, les vols, ce sont des arnaques, n'est-ce pas, des escroqueries, des vols, en fait, tout simplement, c'est du vol. Je pense que l'abstinence sexuelle n'a jamais empêché l'épidémie de sida. De la même manière, il faut prendre en considération une chose, c'est que les gens peuvent souffrir sur Internet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur interdire d'utiliser Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Le risque, il existe toujours, sauf si on reste chez soi, assis sur un canapé, et encore. Donc, on peut imaginer des mécanismes pour les victimes de cybercriminels, mais il ne faut pas dire arrêtons Internet parce qu'il y a des cybercriminels. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas considérer les craintes comme des prétextes qui nous permettrait d'interdire l'accès à Internet. Commençons par donner accès à Internet à tout le monde et ensuite on réglera les problèmes qui en découleront, d'accord? Est-ce que la représentante de l'UNESCO voudrait prendre la parole, si on a assez de temps d'ailleurs? Oui, mais de manière concise, s'il vous plaît, parce qu'on a 30 secondes. Moi, j'ajouterais une chose. Nous devrions voir quelles sont les compétences des usagers. Des internautes. Il faut nous concentrer sur les compétences qui existent et enseigner celles que les gens n'ont pas encore pour qu'ils sachent utiliser les médias, qu'ils sachent utiliser Internet. Il existe des mécanismes qui sont plus ou moins déterminés. Venez voir le site, venez consulter le site de l'UNESCO, vous en apprendrez plus sur le sujet. Et puis, un mot encore en guise de conclusion, un commentaire de ma part. Pour ce qui est des pays qui utilisent les indices ROAM, on y observe, on y entend des voix disant qu'il serait bon de considérer
Internet par le prisme, via le prisme des droits de l'homme. L'accès à Internet doit être considéré comme un droit, comme une priorité, un droit fondamental. Oui, c'est notamment le cas pour les groupes prioritaires. Nous allons bientôt passer à la connectivité. Je pense que ça fera écho aux commentaires qui ont été faits et que nous avons entendus de la part des participants qui ont participé à ce colloque précisément. Alors Henriette, merci. Mariotza, merci. Merci d'avoir bien voulu participer. Merci à toutes. Je voudrais maintenant vous présenter Carlos Rey Moreno ainsi que Jane Coffin. Carlos, êtes-vous avec nous? Pourriez-vous allumer, activer votre caméra, s'il vous plaît? Je crois que nous vous voyons. Sinon, l'équipe technique va nous aider. Voilà, on voit Carlos. On voit Carlos et on voit Jane aussi. Très bien. Carlos, je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez très bien. Et Jane, je vais vous poser la même question. Je ne vais pas vous poser la même question, je vais vous donner la même mission qui est de vous présenter. Ce sera plus simple que si je commence à lire vos biographies. Ce que je peux dire de mon côté, c'est que je suis très heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous êtes de véritables experts, forts de riches connaissances, de larges connaissances. Nous allons commencer par Carlos, puis nous donnerons la parole à Jane avant de passer à une brève session de questions-réponses. Si des participants devaient avoir des questions, n'hésitez pas, préparez-vous, vous pourrez les poser. Carlos, nous vous écoutons. Merci. Merci Henriette, merci à tous. Je suis très heureuse de pouvoir être ici avec vous. Désolé, ma voix est fatiguée. Je suis légèrement enroué, mais j'ai eu une mauvaise grippe. Et je m'en remets, j'espère que ça ne sera pas trop sensible lors de mon intervention. Merci beaucoup Henriette, merci Marielle, Marietza, pour ces remarques. J'y ferai référence brièvement, je m'appelle Carlos Rey Moreno et je suis dirigeant d'un réseau local aux affaires politiques et pour une communication progressive. Nous coopérons avec des pays de l'hémisphère sud et essayons de créer un écosystème dans lequel des réseaux sociaux pourraient fonctionner. Je travaille en ce moment avec 6 pays. Nous y réalisons 30 initiatives différentes, notamment dans les zones rurales, dans les campagnes. La question qui m'a été posé était que pourrions-nous faire pour assurer une meilleure connectivité avec les communautés locales. J'ai pris quelques notes, mais je pense que je vais commencer par dire une chose, c'est que tout est possible. Bien sûr, les opérateurs traditionnels ont essayé de combler le gouffre numérique, mais il n'est pas toujours d'assurer, d'apporter non seulement connexion Internet, mais connexion Internet abordable financièrement. Donc c'est ça, après, c'est là qu'est le nerf de la guerre. Donc sur divers territoires, dans divers pays, ce que nous voudrions, ce serait créer des cadres qui permettraient d'avoir un accès plus réel à Internet. Nous testons de nouvelles technologies de communication. Il ne s'agit pas seulement d'une large bande passante, mais de réseaux 5G. On essaie aussi beaucoup ici et là d'organiser soi-même, d'installer des routeurs nous-mêmes, des antennes, des stations de base, de manière à assurer un accès le plus large possible à Internet, et pour faire en sorte aussi que l'accès soit moins cher que ce que proposent les opérateurs principaux. Donc nous avons des solutions, nous savons ce qui peut fonctionner sur certaines régions, dans certaines régions où les modèles traditionnels ne fonctionnent pas, ou ne semblent pas fonctionner, oui. Les solutions de division de fréquences ne fonctionnent pas non plus toujours. Donc là aussi, il faut essayer de créer des règles et des réglementations dans le cadre desquelles toutes les communautés auront un accès, pourront jouir d'un accès véritable à Internet.
Nous sommes aussi heureux de pouvoir coopérer avec l'ITU. Et l'ITU, ici, fait beaucoup de manière à élargir, améliorer l'accès à l'espace numérique. Pour ce qui est de la connectivité, d'une bonne connectivité, je pense que au niveau des communautés locales, on souligne souvent l'aspect qu'est justement l'accès véritable. Et on voit qu'il y a un véritable enthousiasme, un véritable intérêt. Les gens ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'y mettre. Et dans ce contexte, nous aussi, nous commençons à réfléchir au coup suivant. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Le coup suivant, deux, trois coups après. Qu'est-ce qu'on va faire après-demain ? Et on a commencé déjà à en discuter avec diverses parties prenantes, mais ce que nous comprenons de plus en plus, c'est qu'il ne s'agit pas que d'infrastructures, il ne s'agit pas de la connectivité en elle-même, il s'agit aussi de compétences, il s'agit des contenus, il s'agit de la langue, tout ce qui permet en fait aux utilisateurs d'utiliser effectivement, de tirer tous les bénéfices d'Internet. Parce que la connectivité, techniquement parlant, c'est extrêmement important, c'est la base, évidemment, mais il y a les autres éléments, il y a le prix et il y a les compétences. Et il y en a d'autres, des éléments, il y en a beaucoup. On a parlé de la complexité, la diversité de la famille humaine. Il faut voir, nous réalisons divers projets avec diverses parties prenantes. On voit que notre famille est effectivement de plus en plus diverse. Quels contenus devraient être disponibles localement, quels contenus sont créés localement, que faire pour que les contenus soient effectivement accessibles. C'est une liste interminable de questions, d'aspects qui effectivement sont de plus en plus intéressants avec le temps. C'est un débat qui est en évolution constante et nous voyons que nous avons des initiatives qui servent à l'assurance d'en bas. Upstream, la possibilité d'utiliser l'Internet. On a des projets infrastructurels technologiques qui sont organisés tout en bas de l'échelle. Là. Nous voyons qu'il y a des solutions qui sont proposées. Nous, en tant que représentants de notre réseau pour la politique de bon accès, nous devrions voir de près ce qui se passe, regarder de près, analyser la situation. Et parfois, j'ai l'impression que nous sommes un peu détachés de ce qui se passe réellement. Et Henriette a mentionné le fait que dans le monde entier, il y a des gens qui n'utilisent pas les possibilités de la télécom, parce qu'ils sont limités à ces options qui... Je pense que nous devrions adopter une perspective plus large. C'est des ressources qui sont accessibles dès en bas. Nous devons vraiment essayer de comprendre ce qu'est pour les communautés locales l'accès réel. Je pense que Henriette et Marisa avaient raison quand elles disaient que la connectivité elle-même est importante. Mais nous devons nous souvenir qu'il ne s'agit pas de l'accessibilité en tant que telle, mais un accès réel avec de la valeur qui permet de puiser dans ces ressources si riches et qui prend en compte la diversité dans toutes ses dimensions. Et c'est quelque chose qui doit être souligné. Nous devons prendre en compte cette richesse, cette diversité pour que le maximum de communautés locales puissent bénéficier des technologies informatiques et communication. Merci beaucoup, Carlos. Il y a des questions qui sont apparues sur le chat. J'espère que, Carlos, tu pourras répondre aussi par le chat. Et maintenant, on va passer la voix à l'intervenante suivante. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas être en personne à Katowice, mais je me connecte à vous via Internet. Je vous vois sur mon écran. Je suis heureuse de pouvoir participer, du moins de cette manière, dans cette discussion. Carlos parlait de connectivité. Il parlait de quoi s'occuper. Je dois dire moi-même que je m'occupe de ces sujets depuis 20 ans. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les questions relatives à la connectivité locale et les solutions en cette matière.
Évidemment, des acteurs différents sont impliqués dans ceci, les gouvernements locaux, les Nations Unies. Il y a beaucoup à faire. Nous devons toujours prendre en compte les conditions locales pour nous souvenir que nous voulons élaborer des solutions qui vont fonctionner dans un contexte donné. Mais nous devons il est important que nous ayons accès à des possibilités différentes qui assurent la connectivité. Car souvenons-nous que nous n'avons pas une seule solution technique qui va marcher comme unique. Car nous avons affaire à la famille humaine qui est très différenciée. Donc nous devons avoir accès à des possibilités différentes. Souvenons-nous que le groupe des opérateurs change, nos clients changent. Nous avons de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes, des systèmes mobiles, des systèmes qui reposent sur des solutions Wi-Fi. Il y a des solutions qui sont mises en place en Argentine, en Patagonie, en Espagne aussi. La technologie LTE qui a fait ses preuves pendant la pandémie. Donc la diversité de solutions et la diversité des technologies accessibles, mais aussi des solutions adaptées au contexte local. Tout ceci est un grand enjeu. On m'a posé la question sur de savoir comment soutenir ces initiatives locales et ces réseaux locaux dans le monde entier, comment assurer des solutions en matière de connectivité. On m'a aussi demandé la question quels sont les enjeux liés, afférents. Et en fait, c'est des questions de réglementation, on en a parlé déjà. Nous devons tout simplement nous souvenir que l'infrastructure n'est pas accessible partout. Donc nous devons coopérer avec les décideurs, avec les organes de réglementation, de régulation, et nous devons analyser les gens doivent devons voir les possibilités des technologies pour que les gens n'aient pas peur de ces solutions. Nous devons travailler pour nous devons communiquer avec l'opinion publique, avec les nouvelles technologies 4G LTE qui sont neuves dans certaines régions. Et nous devons assurer des possibilités et il faut qu'elles soient accessibles au niveau prix. On a beaucoup de solutions. Nous avons besoin d'une approche. Si on a appris quelque chose avec le coronavirus, ce n'est pas seulement les ministères ou les organes de réglementation qui devraient former, sculpter l'espace numérique. Non, les organes pour l'agriculture, pour l'éducation, eux aussi peuvent contribuer énormément à l'organisation de cet espace. Donc la connectivité est très importante. Une meilleure connectivité augmente le PIB de la région, d'un pays. Et si nous ne serons pas en mesure d'utiliser des postes différentes, ça ne sera pas équilibré. Nous souvenons que la connectivité commence au niveau local. Le développement durable aussi commence au niveau local. Donc, nous voulons changer de réglementation, en particulier celle qui concerne l'attribution de fréquences. Nous avons des propositions de solutions intéressantes. J'ai participé à des rencontres des agences de l'ONU et je remarque que ces agences se coopèrent de plus en plus près. Dans les dernières années, nous avons affaire à une renaissance des partenariats et de coopération. Je dois dire que ces partenariats sont très importants. Nous devons coopérer dans le cadre de différentes organisations, dans le cadre de la société civique. Et nous tous, nous devons coopérer avec différents types de fondations et d'autres entités. Donc nous avons besoin d'une approche holistique, une intégration qui nous permettra d'aller de l'avant
et pour utiliser les solutions qui sont accessibles. Carlos. Carlos a de vastes connaissances au sujet de ces solutions. Il pourrait en parler beaucoup. Il faut savoir que ces solutions existent et il faut risquer et permettre aux gens de les mettre en place de manière à ce que les communautés locales puissent bénéficier de la connectivité. Par exemple, les médecins qui travaillent quelque part dans les contrées lointaines du monde, il faudrait qu'ils aient la possibilité d'envoyer des données dans les hôpitaux qui pourront analyser de manière avancée. Donc la connectivité nous aide à subjectiviser les gens lorsque les gens sentent qu'ils sont plus responsabilisés, ils agissent mieux. Nous organisons des formations, notamment par exemple à Nairobi. Il y a quelques semaines, on a eu une telle formation. On a créé un tel réseau qui devait assurer l'échange d'informations. Et ce réseau a été créé pour que les gens puissent échanger ce nouveau concept et pour les mettre en œuvre. Nous souvenons-nous que certaines régions manquent d'infrastructures dont nous avons besoin de financement, car à peine 1% des organisations de charité consacrent des fonds pour la création d'infrastructures. Donc l'infrastructure est extrêmement importante. Elle peut ouvrir d'énormes possibilités. Donc nous devons la souligner pour que l'on puisse assurer le financement pour justement ces projets infrastructurels. Donc nous devons travailler de manière intense, travailler, coopérer de près et changer le paradigme existant. Nous devons créer des réseaux qui reposent sur des communautés locales. Ça existe dans beaucoup de pays, notamment au Mexique, mais aussi dans d'autres régions, en Argentine, par exemple. Ce qu'on voit, on change la réglementation concernant la création de nouveaux réseaux qui reposent sur les communautés locales. Donc, on peut changer la réglementation, on peut changer le cadre juridique. On le voit aussi dans d'autres pays. Au Kenya, par exemple, on voit que l'utilisateur est de plus en plus au centre de l'attention. Et je pense qu'une coopération proche est la clé. Merci beaucoup. Je dois vous interrompre parce que j'essaye d'engager dans la discussion les participants de nos débats qui utilisent le chat. Malheureusement, les technologies ne nous aident pas aujourd'hui. Je pense que maintenant, je vais transmettre la voix à Sonia pour qu'elle modère la suite de ce débat. On va parler d'inclusion numérique. Et peut-être pour nous, ces questions qui ont été formulées, on va les mettre en fin de session. Je vous remercie donc pour les interventions précédentes. Je passe la voix à Sonia. Eh bien, nous allons donc passer à la partie concernant l'inclusion numérique. Il faut réfléchir aux autres solutions pour ce qui est de la connectivité, ce que nous pourrions faire dans le cas des nouvelles infrastructures et de la construction de réseaux. Quelles sont les compétences dont nous avons besoin, les savoir-faire dont nous avons besoin? Roberto Zambrama va prendre la parole. Il est membre du groupe multilatéral MAG, ainsi que d'une association qui représente la Web Foundation. Je suis très heureuse que nous puissions parler de solutions, tout ce qu'il y a de plus concrète, pouvant nous aider à aller vers plus d'inclusivité. Commençons donc justement par M. Roberto Zambrana, qui nous parlera de ses expériences. La Bolivie, sous bien des aspects, est un pays dont l'accès à Internet est limité. On a des communautés qui sont marginalisées. C'est pourquoi c'est avec un grand intérêt que nous écouterons vos remarques. Je pense, vous savez, qu'il est important que vous sachiez ce que nous essayons de faire grâce à notre politique d'accès réel. En 2020, avec Karim, un ami du MAG,
Nous avons essayé, dans le cadre du Forum des meilleures pratiques, de déterminer quelles étaient les priorités les plus importantes. Nous avons commencé à travailler dès avant la pandémie de Covid-19. C'était très important pour nous. Et nous savions que lors de l'IGF de cette année, du sommet de cette année, nous parlerions aussi de la manière dont on pourrait connecter encore un nombre important de citoyens qui ne le sont pas encore. Je pense que c'est le moment et l'endroit est propice pour partager des expériences parce que nous cherchons des bonnes pratiques, notamment pour ce qui est de ce qu'on appelle globalement le sud, l'hémisphère sud, les pays en développement. Je pense qu'il faudrait, en se basant sur nos expériences, trouver des idées de solutions. Effectivement, dans le cadre de l'IGF, vous pouvez aussi participer à de nombreuses autres sessions, mais ce format, le format des travaux sur le réseau Accès Réel sont très utiles. Dans notre cas, je voudrais faire référence à la période de la pandémie et me référer à ce que Jane a dit aujourd'hui. C'est-à-dire, la réglementation a été adaptée de manière à ce que les opérateurs en Bolivie puissent jouir d'une plus grande flexibilité. C'est important pour nous parce que, comme l'a dit Sonia il y a quelque temps, il y a un pourcentage assez important de la population en Bolivie qui n'a pas accès à Internet, qui n'est pas connecté. Ce sont des groupes souvent d'indigènes qui habitent des zones reculées, rurales, et qui sont exclus, pas inclus en tout cas, au niveau numérique, mais pas seulement, parce que ce qui leur manque parfois, c'est carrément un accès à l'eau potable ou à des sanitaires. Et lors de la pandémie, ces gens ont aussi été exclus du processus d'éducation. Des milliers d'enfants n'ont pas eu accès à l'éducation. C'était une situation absolument critique pour nous et c'est pourquoi il a fallu prendre des mesures décidées pour changer la situation. Et c'est là que nous avons commencé à agir pour une plus grande inclusivité. Nous savions qu'il fallait agir sans plus attendre, et l'IGF est le forum approprié. Je vais maintenant donner la parole à Nenia. À Nena, vous connaissez tous, je pense. Nena, elle est représentante de la Web Foundation. Elle se bat pour les droits à un meilleur accès, à une meilleure connectivité, un meilleur accès véritable à Internet un peu partout dans le monde. Je voudrais vous demander votre point de vue. Où en sous-nomme ? Merci. Merci. Je m'appelle effectivement Nena. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Nena Nwakanma. Et je suis très heureuse d'avoir pu entendre les interventions précédentes, particulièrement instructives. J'ai pris quelques notes et pensé que je ne voudrais pas répéter ce qui avait déjà été dit, mais je voudrais approcher la question qui m'a été posée d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de ce qu'il faudrait faire, mais surtout de ce qu'il ne faudrait pas faire. J'ai lu un rapport récemment concernant les coûts impliqués par le gouffre numérique. Ceux d'entre vous qui me connaissent sauront que je suis une femme noire, d'Afrique noire, mais d'Afrique occidentale, plus précisément. J'ai travaillé à la maison, d'abord, au début. Mais je travaillais déjà à la maison avant la pandémie de Covid-19. C'est ça la particularité. Mais ce que la pandémie nous a appris, en fait, c'est que nous, les femmes, qui souvent sommes maîtresses de maison, on s'occupe d'enfants, mais on s'occupe aussi parfois de vieillards, parfois les deux. Et nous ne bénéficions pas de plateformes qui nous permettraient
de partager le poids de nos tâches. Et donc mon travail, c'était pas forcément, c'était moins le gouffre numérique que le gouffre qui est la différence entre les sexes en fait. Dans les pays en développement, vous savez, il y a très peu de femmes jouissant vraiment d'un accès à Internet. C'est pas que pour des raisons techniques. Et ça représente des pertes financières pour tout le monde. REACT, REACT, c'est un acronyme, mais c'est un verbe aussi, réagir. Je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer. Je vais commencer par ceci. Comme je vous le disais, je ne vais pas parler de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, ne pensez pas, ni n'allez pas vous imaginer qu'un véritable accès à Internet, c'est du luxe. C'est tout sauf du luxe. N'allez pas imaginer que vous rendez service aux femmes en leur donnant un accès à Internet. C'est, enfin si, vous leur rendez service, mais ça n'est pas, c'est un droit en fait, c'est un droit. Et pour ce qui est de l'éducation, nous voudrions que les femmes se voient, reçoivent de nouvelles compétences, mais ne faisons pas les choses de manière patriarcale, dans le cadre d'un système, de ce système où ce sont toujours les hommes qui sont aux commandes. Il faut aussi expliquer aux hommes que les femmes s'en tirent très bien et savent très bien être chef d'entreprise. Et certaines femmes ont des entreprises qui sont des entreprises technologiques. Donc la connectivité, il faut qu'elle soit de nature à nous permettre de créer sur Internet, à créer de la richesse sur Internet et en co-tirer les bénéfices. Ça fait des années que je me bats pour que les femmes aient ce type de droit dans le cadre et en coopération avec mes collègues de la Web Foundation. Donc nous avons ces quatre, plus cinq lettres, REACT. Alors c'est, le A est pour accès, n'est-ce pas, le T est pour, le C est pour content, c'est le contenu. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur le secteur privé. Le secteur privé ne va pas apporter toutes les solutions pour ce qui est d'un accès multilingue à Internet. N'allez pas penser que ces contenus doivent être disponibles dans les 7 ou 8 ou 9 langues de l'ONU. Non, des langues, il y en a beaucoup de par le monde. Donc quand on parle de droit à l'éducation, quand on parle d'accès, il faut aussi que les sites soient traduits dans de nombreuses langues. Et puis à la fin de REACT, il y a T. T, c'est Targets, c'est les objectifs. Vous avez fait beaucoup de travail, mais ne dites pas que l'étendue d'Internet est de 90%. La réalité est, enfin, il faut savoir comment les gens qui sont connectés à Internet utilisent, font usage de leur présence sur Internet. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a 90% qui sont connectés à Internet. Quand bien même on serait 100%, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. On peut faire diverses choses sur Internet. Est-ce que ça génère des recettes pour tout le monde? Est-ce que tout le monde sait se servir d'Internet à bon escient, de manière constructive? Moi, je vais vous dire très brièvement, Internet est un droit pour moi. Et l'éducation ne saurait être uniquement dans les mains des hommes, mais aussi des femmes diplômées. L'accès à Internet ne suffit pas en lui-même, car l'accès doit avoir une véritable valeur. Et pour cela, il faut que les contenus soient traduits dans diverses langues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nena. Tes interventions sont toujours source d'inspiration. C'est un plaisir de travailler avec toi à tes côtés au jour le jour. Je pense que tu as dit les choses avec clarté. Roberto Zambrana aussi d'ailleurs, puisqu'il a été très, non seulement concis, mais très clair, très intelligible. Nous allons donc passer à la suite du colloque. Nous allons parler de la construction de nouvelles compétences, de nouvelles ressources. Il va nous falloir parler encore plus vite, malheureusement, car nous n'avons que très peu de temps. Donc encore une fois, merci à tous et passons à la suite. Sonia, merci. Effectivement, cette dernière partie de notre colloque sera consacrée
aux travaux menés dans le cadre du réseau pour un accès réel qui s'attache à créer de nouvelles compétences. Je suis très heureux de compter Michu Ginwangi avec nous aujourd'hui, ainsi que le docteur Margaret Nambuyanung. Je vais commencer par donner la parole à Michu Ginwangi. 5 minutes uniquement, monsieur, je m'en excuse. Je vous demande de m'en excuser, mais il faudra être concis. Merci. Je m'appelle Michu Ginwangi. Et je représente l'Internet Society. Je travaille au département des techniques Internet et de développement. Je suis heureux de pouvoir participer à ce colloque avec vous, des gens qui parlent de leur mission avec passion. Dans le cadre de l'Internet Society, ce que nous faisons, c'est que nous donnons la priorité à l'accès à Internet pour les communautés qui, justement, manque d'un accès à Internet. On essaie d'apporter Internet à ceux qui ne l'ont pas, pour dire les choses brièvement. Donc il s'agit effectivement de compétences, d'abord d'un accès technique et ensuite de compétences numériques. Les communautés locales d'experts techniques constituent le tronc de ce processus de développement d'une nouvelle infrastructure. Nous avons besoin d'experts bien préparés, de manière à pouvoir créer et puis gérer une bonne infrastructure. Donc on a besoin pour cela de techniciens qualifiés sur place, de techniciens locaux. C'est comme ça qu'on va pouvoir donner un accès à Internet à tout le monde. Ça demande une coopération sur place, une coopération étroite. Et il a déjà été dit d'ailleurs que l'accès, c'est un mot, hein, l'accès, mais c'est beaucoup de dimensions. Il y a la possibilité technique, il y a l'abordabilité ou pas de l'accès, c'est-à-dire les prix. Les prix sont-ils raisonnables? Sont-ils à la portée des pauvres sur place? Il faut aussi que la connectivité soit bonne, c'est-à-dire permanente. Êtes-vous justement à propos, êtes-vous encore avec nous? Il semblerait qu'il y ait une coupure. Ah, nous avons perdu tout Zoom en même temps, tous les participants connectés à distance. Attendons quelques secondes. Nous allons demander l'aide de l'équipe technique, car il semble que nous ayons perdu les collègues connectés sur Zoom. Voilà une illustration. Même en Pologne, en plein IGF, on peut avoir des problèmes de connectivité, des problèmes de connexion. Hier, il me semblait que ça avait déjà été commenté, même si hier, on a eu moins de soucis. Mais je pense que nous allons devoir faire une pause. À moins qu'on ne continue, qu'en pensez-vous? On continue ici en présentiel, sans les collègues connectés, qui ne le sont plus. On continue. Voilà. La consigne est de continuer. Si Internet revient, nous recontacterons nos collègues en ligne. Heureusement, nous avons aussi des gens sur place, avec Henriette notamment, entre autres, Henriette, Monsieur Wanzhou, qui devait aussi faire quelques remarques de clôture. Monsieur Zhu, pardon, pas Rou, mais Zhu, il représente... un département des Nations Unies. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Je voudrais dire aussi que ceux qui... Oui, excusez-moi de prendre de la parole dès maintenant, mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est quand même important d'avoir... Ah, regardez. Zoom est revenu. Souvenons-nous d'une chose, c'est que les infrastructures qui ont été créées, il faut qu'elles soient résistantes. Il faut coopérer avec ceux qui ont les compétences, le savoir-faire technique nécessaire.
ceux qui ensuite vont être opérateurs du réseau. Ce sont souvent des gens qui, vous savez, un jeune qui est doué techniquement, il va très vite être recherché sur le marché de l'emploi et il va quitter la campagne s'il habite à la campagne, il va aller en ville. Donc le problème, c'est que on manque de savoir-faire à la campagne. Ça, c'est un point d'amélioration. On a besoin de... Le besoin d'Internet, il existe dans les villes, il existe à la campagne aussi. Donc les modèles de création de nouvelles compétences doivent être plus généralistes, plus multifacettes. Pour ce qui est des zones urbaines, l'accès est bien meilleur, ça n'a rien à voir. On a accès à des gens compétents, on a accès à des savoir-faire. Et... ce sont les mêmes compétences qu'il faut en fait construire ou faire revenir vers les campagnes. Pour ce faire, eh bien, ces compétences doivent être créées sur place. Donc il faut former des gens sur place et apporter toute notre attention à ces zones rurales. Je viens de me rendre compte que je n'avais plus qu'une minute. Je suis vraiment désolé, j'ai passé à la conclusion. Ce sera une conclusion sous forme de synthèse. Je dirais qu'il faut prendre en considération non seulement les possibilités posées par la pensée créatrice et les innovations, mais aussi penser à long terme, penser long terme, penser durabilité, penser pérennisation, et engager bien entendu les parties prenantes sur place. Il faut baser notre travail sur les ressources locales. Nous ne voulons pas qu'une seule élite importée de la ville vienne porter la bonne parole numérique dans les campagnes. Il faut qu'on ait des locaux dans les zones. À la campagne, il faut des locaux formés avec des compétences numériques. Maintenant, c'est terminé. Évidemment, c'est une triste fonction de vous couper la parole, mais notre temps s'est terminé. Je passe donc la voix à Margaret. J'essaierai de vous faire part de mon écran. Merci de m'avoir invité à ce panel. Je suis représentante de l'initiative africaine PRIDA. Et pour passer à la question d'avant, je vais essayer de vous dire quelques mots sur les objectifs de nos travaux. Alors, je vous dis à la chose suivante. PRIDA comprend trois sentiers de développement. Un sentier accéléré qui concerne la construction de capacités clés dans les pays européens, africains. Il y en a encore deux autres sentiers qui concernent le renforcement des structures existantes déjà, structure Internet, ça va de soi. Le troisième sentier qui est lié à la coopération avec les décideurs et les diplomates. Donc c'est une coopération au niveau beaucoup plus diplomatique pour nous assurer que nous participons aux processus globaux que nous avons, nous participons à l'élaboration de standards mondiaux. Je vous montrerai dans quelques instants comment nous menons nos travaux dans le cadre de PRIDA. Le premier pas, c'était l'adoption d'une stratégie de l'action pour définir certains manques que nous avons en ce qui concerne la construction de compétences. Sur cette base, nous avons créé une stratégie et un plan d'action. Nous voulons travailler avec des partenaires au niveau national, ce sont donc des partenaires de la société civile, des médias, du secteur public et du système public. En ce qui concerne les partenaires, ça veut dire coopération avec le ministère de la Communication. Nous voulons aussi coopérer avec les législateurs au niveau régional. C'est-à-dire coopération au niveau régional. Il s'agit d'assurer que notre programme sera mis en œuvre, réalisé de manière pratique, que ces initiatives ne sont pas seulement virtuelles. Nous faisons aussi une coopération à une échelle plus large dans le cadre de structures
qui regroupe différents pays sur notre continent. Qu'est-ce que nous avons réussi à obtenir jusqu'à maintenant? Premièrement, nous soulignons que nous voulons que dans nos projets participent, des personnes des deux sexes. Nous voulons faire une parité 50-50. Nous veillons aussi à la diversité en matière d'âge. Nous voulons engager dans nos initiatives aussi bien les jeunes que les gens plus âgés, qui doivent tous être représentés dans l'espace numérique. Et ils doivent avoir la possibilité de partager leurs opinions. Nous voulons approcher les questions de perspectives différentes. Alors, qu'est-ce que nous avons réussi jusqu'à maintenant? Nous avons élaboré un programme d'action. Et donc, dans la préparation de ce programme, ont participé un bon nombre de partenaires. Nous avons organisé déjà des premières formations, notamment ciblées vers les gens qui vont éduquer de nouveaux groupes, donc formation pour formateurs. Et nous voulons aussi transmettre des choses concrètes, mais nous voulons parler d'un texte plus large. Dans nos actions, nous nous focalisons sur les résultats des actions que nous menons au niveau local. Nous travaillons avec des partenaires qui viennent de différents territoires, mais de la majorité des pays de notre région. La situation est la suivante. En 2020, après le début de la pandémie du coronavirus, nous avons soutenu un bon nombre de pays, dont la Mauritanie, le Maroc, mais aussi Madagascar, Égypte et d'autres pays. Et nous y avons réalisé des premières initiatives de formation qui étaient ciblées vers des groupes très différenciés du point de vue sexe, âge et autres. De même, en 2021, nous avons soutenu encore 8 autres pays où nous avons organisé des formations. Dans ce cas, nous avons coopéré avec des pays tels que le Nigeria ou le Libéria, mais aussi d'autres pays. Donc, nos initiatives sont ciblées vers des gens de pays différents, à des niveaux différents. Donc, pour dire que nous avons réussi à former un grand nombre de participants dans le cadre de 23 sessions de formation. Je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas, mais je vais encore me référer à la question relative au sexe. Nous voyons que pendant nos formations, nous avions 28% de femmes, 72% d'hommes. En ce qui concerne les personnes qui ont passé leur examen et qui ont obtenu un certificat, il y en avait 26%. Par contre, beaucoup plus de gens sont inscrits à ces formations, mais toutes n'ont pas participé jusqu'à la fin à ces formations. Comme je l'avais déjà mentionné, nous avons aussi des programmes dans le cadre desquels nous formons des formateurs qui ensuite vont travailler avec des gens dans des régions différentes de l'Afrique. Alors maintenant, en voyant de près les résultats de nos travaux, comme je l'ai mentionné, nous avons créé un groupe d'enseignants, de formateurs qui vont former d'autres groupes. À leur tour, nous avons engagé à nos actions les représentants du secteur public, car nous savons que la question de gestion d'Internet, c'est des questions dont on ne peut pas parler sans la participation des représentants de ce secteur. Nous essayons par nos actions d'éliminer le gouffre numérique. Nous considérons ça comme quelque chose de très important. En ce qui concerne les défis, nous en avons parlé avant. Il s'agit ici avant tout que les contenus soient accessibles à tous. C'est un grand enjeu. Nous voulons aussi élargir notre réseau pour donner les informations nécessaires à des groupes différents de gens et des groupes professionnels aussi. Merci beaucoup. Ça serait tout pour ma part. Je transmets la parole à Madame la modératrice. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que nous devrions faire maintenant, en vérité, car nous étions censés faire des échanges, mais j'ai peur que nous n'y arrivons pas.
maintenant nous avons donné la parole aux intervenants. Et là maintenant, on va passer un petit instant pour répondre aux questions qui apparaissent dans la fenêtre du chat. Il y a aussi des questions qui ont été posées dans des langues étrangères, mais là, j'espère que nous arriverons à résoudre ce problème. Donc, je te donne la parole. Regarde donc de quel côté va se diriger la discussion. C'est une très bonne idée. Malheureusement, nous devons prendre une décision catégorique parce que nous n'avons pas le temps de faire de la discussion. Tiens, j'ai un écho. Est-ce que je peux demander à l'équipe technique de m'aider? Est-ce que maintenant tu entends mieux? Très bien. Bien, vu de longues limitations de temps qui sont sérieuses, nous avons le temps juste pour un échange très bref. Nous devons donc remercier à tous d'avoir participé à cette discussion si intéressante. Et j'espère que la discussion va continuer par le biais du chat, par d'autres canaux de communication Internet, aussi dans le cadre des travaux de l'IGF. Et maintenant, j'aimerais dédier quelques minutes à la fin de ce panel pour donner la voix à M. Yong Hang Zhu, qui représente TESA. Et j'aimerais aussi exploiter ce temps pour remercier pour le travail de toutes les personnes impliquées dans l'organisation de l'IGF. Je savais, en particulier, j'aimerais remercier M. Yong Hang Zhu et j'aimerais aussi vous demander de faire un commentaire au sujet de ce que vous avez appris et quelles sont les suggestions que vous pourriez nous présenter pour nos travaux du réseau pour les politiques d'accès à l'eau. Oui, le temps nous fait défaut, mais commençons par le commencement et par le plus important. Je voudrais remercier Henriette, remercier Sylvia, remercier Pedro et tous les autres membres du réseau pour le travail que vous accomplissez. Vous êtes véritablement engagé dans les travaux de ce groupe et j'apprécie cela à sa juste valeur. Notre discussion recouvre de nombreux aspects importants. On a souligné auparavant principalement la connectivité, mais ça a longtemps été effectivement un sujet cantonné à des aspects techniques. Telle était en tout cas notre approche. On ne parlait que trop peu de contenu de valeur, on ne parlait que trop peu d'éducation, on ne parlait que trop peu transmission de véritables compétences numériques. C'est pourquoi je me dois de vous remercier de prendre ces aspects en compte maintenant. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé en tant que bénévoles pour le réseau. Une suggestion s'est faite jour aujourd'hui visant à faire en sorte que les organisateurs de l'IGF écoutent les voix de ceux qui n'appartiennent pas aux structures des Nations Unies. Je pense donc que c'est c'est un commentaire tout ce qu'il y a de plus pertinent. Concentrons-nous sur les descriptions des bonnes pratiques, sur ce que nous devrions faire ensemble, de manière à mettre en application, à introduire, à prendre des mesures concrètes pour pouvoir faire en sorte que le nombre de personnes connectées, le nombre de gens connectés de par le monde soit le plus important possible. Certaines mesures portent le sceau de la créativité. Je ne voudrais pas ici être redondant, mais il faut créer de nouvelles approches, favoriser l'émergence de nouvelles idées dans la pratique. Je considère que nous devrions mettre au point des recommandations concrètes. Il est important qu'elles, quand je dis concrètes, je le pense, il est important qu'elles soient concrètes. J'ai entendu parler aujourd'hui, j'ai entendu dire que nous devrions faire référence à une coopération globale qui permettrait d'utiliser pleinement les ressources.
Nous voyons effectivement que c'est un phénomène qui est à court. Cela étant, notre objectif de base doit être d'assurer un véritable accès à Internet, notamment pour ceux de par le monde qui n'ont pas encore accès. Souvenons-nous que 34% de la population mondiale n'a pas accès à Internet. Il nous faut donc engager les ressources nécessaires pour créer cet accès et pour construire des compétences qui permettront d'utiliser, de tirer bénéfice d'Internet. J'espère que tel sera le cas et que nous pourrons continuer à discuter et que vous coopérerez avec nous de manière à ce que nous puissions mettre en application ces postulats dans la pratique. Merci pour votre intervention. Nous apprécions votre soutien à sa juste valeur. Nous vous remercions pour ce message plein de sagesse que nous utiliserons à bon escient à l'avenir. Je voudrais maintenant remercier ma comodératrice ainsi que tous les participants de cette discussion, remercier le réseau pour un accès véritable et universel. Merci de rester avec nous ou de sortir prendre un café si vous le souhaitez. Mais le fait est que le colloque suivant commencera très bientôt. Il sera question du multilinguisme sur Internet. C'est qu'avec joie et fierté que je vous remercie. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. J'espère que nous vous reverrons lors des sessions à venir et que nous serons en contact, ne serait-ce qu'en ligne. Merci d'ailleurs à ceux qui étaient connectés avec nous aujourd'hui en ligne. Merci à tous. Au revoir à tous.